Et salut à tous! Aujourd'hui, on va partir à la découverte de la navette Buran. Pour concurrencer le projet navette spatiale du programme américain, l'Union soviétique décidera elle aussi de se lancer dans cette nouvelle technologie. À l'époque, l'URSS pensait que ce nouveau programme de la part des États-Unis serait utilisé à des fins militaires. C'est bien évidemment dans un esprit de guerre idéologique qui nous conduira à la fin de cette guerre froide, avec l'un des derniers projets de l'armée rouge. La stratégie des Américains aura fonctionné. Bien entendu, la navette spatiale a été conçue pour des projets tels que la construction de la Station Spatiale Internationale ou encore l'envoi du télescope Hubble. Mais il était également prévu d'embarquer l'URSS dans ce nouveau projet afin de l'épuiser économiquement et qui, à partir des années 70, commençait à suffoquer aussi bien sur le plan économique que sur le plan stratégique. Il faut bien rappeler que ce nouveau projet fait suite à la crise des missiles de Cuba. S'appuyant fortement, voire même jusqu'à en reproduire certains détails de la navette américaine, l'URSS se lancera dans la construction de Buran en 1976. Cinq navettes étaient prévues, deux sortiront des usines en 1984, tandis que les trois autres seront abandonnées en cours de construction à l'approche de la chute du mur de Berlin et de cette guerre froide perdue par l'URSS. On peut le dire aujourd'hui que les Américains ont accéléré et porté le coup de grâce au bloc de l'Est avec ce projet. La navette soviétique était pourtant ambitieuse. Dotée de 4 réacteurs d'avion, le seul exemplaire qui aura volé aura réussi son test de vol subsonique. Et tout comme les Américains, le cockpit était équipé de sièges éjectables. Avec une masse à vide de 75 tonnes, elle était prévue pour emporter 27 tonnes de charge utile en orbite basse, approximativement à 450 km d'altitude. Et sur ce plan-là, l'Union soviétique aura fait mieux que les Américains qui pouvaient seulement envoyer 24 tonnes. Mais si on parle énormément de la ressemblance de la navette Buran avec la navette américaine, on ne peut pas en dire autant pour le lanceur Energia, qui quant à lui est très différent et plus imposant que le lanceur américain. D'une hauteur de 58 mètres et d'un diamètre de 15 mètres, elle avait une masse de décollage de 2371 tonnes. Ce puissant lanceur était la deuxième plus puissante fusée jamais construite après la Saturn V. Les soviétiques auront passé énormément de temps à peaufiner leur navette avec plus de 24 essais de vol. Et tout comme la navette américaine, elle a été transportée également par avion. Aujourd'hui malheureusement devenue célèbre dû à cette destruction qui oppose la Russie et l'Ukraine. L'inoubliable Antonov A-225. C'était le plus grand, le plus puissant avion du monde. Et c'est cet avion qui permettait à l'URSS de développer Buran à travers tous les sites de test et de construction. Et oui, si certains le découvrent aujourd'hui, l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique. Le seul et unique vol aura lieu en 1988 depuis la base de Baïkonour. Quelques temps après, le projet sera définitivement abandonné et le monde entier assistera à la chute du mur de Berlin et de l'URSS. Si aujourd'hui Buran est devenu célèbre, ce n'est pas pour ses exploits, mais pour son aspect historique. Et on peut le découvrir notamment à travers de nombreux vidéastes qui partent en expédition dans des lieux fermés au public pour aller à la rencontre de ce monstre de technologie. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve prochainement pour conclure cette série avec une navette qui intéressera forcément tous les Français et Européens, Hermès. Sur ce, je vous laisse avec ces quelques images et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!